avec la presse parler, écrit télévisé en ligne, qui présente, je vais présenter maintenant pour conférence à Nabaye concernant l'administration générale des douanes. Je choisis la conférence là, bien avant moi-même c'est Emmanuel Loisy, moi c'est sous-directeur dans la douane. Je choisis la conférence là maintenant dans nos employés, c'est dans le souci d'abord pour être capable de mettre l'État et la société au courant de non seulement qui sa douane et qui sa capacité dans la douane, par rapport à également un vague kidnapping qui déclenché il y a environ 2 mois sur mettre sur toute institution. Parce que dans environ 2 mois, il y a pris environ 15 personnes pour nous. Malgré tout ça, nous sentons qu'il y a un laxisme pour l'État central qui ne peut pas toujours répondre par rapport avec les mesures de sécurité qu'il doit prendre pour nous capables d'évacuer dans l'espace de travail. La douane, en tant qu'institution étatique, il y a 3 grosses missions. La loi, l'État confie. Première mission, la douane, il y a une mission fiscale. Côté que la douane toujours représente un gros tranche gâteau dans le budget de l'État, dans l'argent, l'État a gain pour le ramasser. Dans le dernier budget en date, la douane gain pour le ramasser 49 milliards de gouttes pour l'État. Ça veut dire que la douane a dû ramasser chaque jour environ 200 millions de gouttes. Ça, c'est dans 4 missions fiscales, la douane gain. Dans 4 missions économiques, la douane gagne, qui c'est la deuxième mission, c'est la douane qui dit l'État comment santé financière pays, comment santé économique pays, comment balance commerciale pays a évolué. C'est à travers la direction statistique en dedans douane, si l'État a besoin soit contingenté un produit, ou bien si l'État a besoin qu'on ait un produit entré dans le pays pour le venir pour gagner information. La douane joue un rôle informatrice pour l'État dans le cadre de ça. La douane a une mission de protection, une mission de protection ou de sécurité. Non seulement la douane, en tant qu'institution transversale, c'est lui-même qui l'a pour faire contrôle pour toute l'autre institution partenaire. Ma pour exemple, avoir, si santé publique a un médicament, il a besoin de contrôler, c'est par la douane pour le passer. Agriculture a un bagage, il a besoin de contrôler, faut le passer par la douane, n'importe l'autre institution. C'est la douane qui. La douane prend un ensemble de taxes pour l'équipe de l'autre institution, prend une taxe pour le ministère du tourisme, il prend une taxe pour l'intérieur, il prend une taxe pour l'équipe de l'autre institution. Et la douane, en tant qu'institution transversale, il gagne un partenariat à toute l'autre institution qui a évolué dans le pays. La douane, c'est lui-même qui est institution avant-gardiste en matière de sécurité publique et de sécurité nationale. C'est la douane qui contrôle les ports, aéroports et frontières. Les institutions qui ont toute importance, je dis à la, pour ces conseils à traiter, je n'ai pas besoin de dire nous qui dégâts sa cabaye dans la société à part à 3 missions, ça nous définit pour nous là. Une institution comme ça, imaginons depuis tantôt 22 mai, nous tous qui là, nous connaissons le directeur général de douane empêché. Par rapport avec un descente de l'UNC, c'était fait dans le bureau. Depuis là, ça, le directeur général n'a pas fait dans le bureau. Ministre de la Santé descend en personne, vient dans la douane. L'arrivé lui dit nous conseil le directeur général là empêché. Il y a une décision qui doit prendre pour douane continuer à fonctionner. Jusqu'à ce que ma parole là, je n'ai pas jamais aucune décision qui prend. Il y a 2 directeurs généraux avec qui sont là appliqués des affaires pour moi. Or, le directeur général titulaire, c'est lui-même qui est censé jouer le rôle ordonnateur principal pour la douane. Le fait que le directeur général titulaire n'est pas là, il y a un appui employé qui n'est pas capable d'aller, ça veut dire qu'il sous 2 mois, il n'est pas capable de jouer un appui. Correspondance douane à toute l'autre institution partenaire, vous n'êtes pas capable de faire attendre parce que vous n'êtes pas capable de signer. Je dis à la même ou le papier pour acheter dans douane, ça pose problème parce que pour y pas un ordinateur. Ça vient de permettre que l'institution soit une institution qui a marché clopin. Nous décidons à partir de tout ça pour nous mettre société à tout l'État central au courant pour nous dire un jour qui vient là par rapport à agent douanier à fragiliser de jour en jour. Dans l'insécurité, tout côté, si on ne prend aucune décision, la douane a bien pour le camper en grève. Et là, la douane a bien pour le camper en grève, on va rappeler, pendant ma interview, de la douane bien pour le bail l'État environ 200 milliards de gouttes par jour. On va comprendre la douane. 200 millions de gouttes, bien si, par jour, on va comprendre la douane entrer en grève, qui ça s'appelle le bail. Or, nous déjà eu un pays côté que l'inflation est vraiment galopante. À chaque fois que la douane faille à mission,
pour nous arriver, c'est Banque Centrale qui est obligée à aider l'État dans répondre à l'exigence Good. Et à chaque fois que Banque Centrale répond à l'agent d'exigence, c'est dollar la cap met pied sous Good là, c'est l'inflation qui a galopant. Nous demandons l'État, dans tout ça nous dit là, pour être capable de voir dans qui mesure, être capable de faire la douane priorité, pour être capable de sentir la douane son institution qui gagne importance li, et dans les yeux l'État et dans les yeux société. Il y a une institution qui a fonctionné sans directeur général, c'est même jouer une équipe de football qui a fonctionné sans entraîneur. Lorsqu'une équipe de football qui a fonctionné sans entraîneur, ce bon joueur blessé, comment faire changer? Ce bon joueur qui n'a pas joué, comment faire changer? Et entraîneur là, dans l'équipe là, où on est du point de vue moral, qui ça représente le souban. Je dis à la, nous, quand on équipe qui sont entraîneur, et ou qu'a imagine, malgré que nous avons environ 15 cas de kidnapping qui ont réussi dans les deux derniers mois, ça yo, non seulement jusqu'à présent, l'État central n'a jamais dit rien, même pour essayer d'assainir l'espace, même pour essayer d'assainir garantir la sécurité dans la zone où nous avons besoin de travail, nous pas même personne pour nous même al chita pour discuter. Parce que j'aime de la directeur général depuis deux mois, lui empêcher, lui pas venir dans le bureau. Deux directeurs généraux qui l'ont appliqué des affaires pour moi, ils n'ont pas capable d'aller au-delà de mission qu'ils ont confiée. Parce qu'ils n'ont pas ordonnateur, ils ont une décision, ils n'ont pas capable. Nous avons deux collègues, pendant que je parle avec nous là, qui sont encore dans mes ravisseurs. Deux qui gagnent environ 12 jours, deux qui gagnent 7 jours. Imagine deux collègues dans mes ravisseurs, et nous avons même gagné deux semaines depuis que nous sommes libérés. Cinq personnes dans un kidnapping qui était fait sous, me dit, on grappe. Kidnapping qui était fait sous cinq personnes qui ont gagné dans la douane. Jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui avons dégagé nous, qui avons commandé un bon père de famille, un ami, checker les gens pour nous, qui sont capables de faire. Nous espérons que, après la conférence de presse, l'État central a en mesure pour comprendre un nécessité qui gagne soit pour titulariser un directeur général qui là ou du moins pour prendre une décision pour permettre l'administration de fonctionner parce que en comprendre pendant budget publié la douane a une exigence pour répondre à un budget et puis la douane pas capable de bien traiter faut qu'on décision qui prend en façon pour l'administration capable de rejoindre Raïli pour répondre avec trois missions essentielles que l'État a confiées aujourd'hui. Merci. Donc, la question. Non. Oui. Parce qu'à travers le secteur général, c'est vous-même. Je dis à là, est-ce que ce sont nous qui révoquons, ou bien sont nous qui démissionnons, ou bien qui est mis en disponibilité, qui statue, qui s'allie ok. Normalement, un fonctionnaire de l'État qui ne met pas arrêté, c'est un arrêté qui a révoqué un arrêté. Pourvu que par exemple un arrêté qui sorti, qui nomme le directeur général là, il est toujours le directeur général de douane. Moyennant que, pour une raison ou pour l'autre, il n'est pas venu dans le bureau pendant plus qu'un mois. Nous avons dit que c'était pour descendre lui en bas déjà. Il était mis sur le bureau. Le fait qu'il n'est pas venu, en ministre financier, il descend en bas en personne, il était dit nous que le directeur général l'a empêché. Nous pensons que c'est venu d'appeler pour mettre un autre directeur général parmi deux sagues là pour être capable de liquider l'affaire pour moi. Ce n'est pas ça qui veut fait. Parce que deux directeurs généraux qui là-haut, signature, ils ne sont pas capables de rien voyer ni dans la finance, ni dans le BRH. Donc, de l'autre côté, c'est ça qui vient bloquer la situation. C'est ça qui vient bloquer la situation. En fait, d'abord, je dis à la, nous demandons pour nommer un nouveau directeur ou bien retourner. Et vous m'avez non, position de ordonnateur. Non, en clair, c'est. Ok. On a fait la presse. D'accord. On a le bail. Non, bonjour. Sous question sécurité, ça demande. Ok. Pour affaire directeur général, là, il ne revient à nous-mêmes comme employés pour nous dire l'État, faut que nous nommions un nouveau directeur ou bien faut que nous retournions à directeur et général là, ou même belle. Ce n'est pas nous pour dire l'État ça pour le faire. C'est l'État qui connaît dans quatre missions que nous avons, dans quatre salaires cherchés en termes de résultats, qui décision pour le prendre. Cependant, nous avons toujours dit, en tant que technicien en administration financière, je dis à la par rapport avec fragilité administration générale là, si y a un nouveau directeur général, si on dit à la fois qu'on est ni administration, ni douane, parce que si on dit que le général vient prendre administration seulement,
il n'est pas capable de résoudre le problème. Non, je vous garantis ça. C'est le fait de le compte douane seulement tout. Il n'est pas capable de résoudre le problème. Il faut qu'on dise directeur général au moins qui a maîtrisé deux facteurs. Ça. Mais c'est l'État qui connaît. Est-ce que c'est le directeur général qui a pu reprendre le poste pour continuer? Ou du moins, c'est son nouveau directeur général qui a nommé. Sur la sécurité. Pour affaire sécurité, nous demandons l'État d'abord pour les garanties sécurité zone. Parce que la douane, si tu as en mettant 3 heures du feu, côté douane, alors on parle de douane du bord. Côté office central là en bas avec le bureau de douane, non. Les chutes en amitant Village de Dieu, les chutes en amitant La Saline, les chutes en amitant Bel Air. Ça veut dire les amitants 3 heures du fait. 3 heures du fait, ça, on nous connaît ces zones rouges. Pour nous, c'est l'État qui vous prend décision pour mettre sécurité dans l'espace ça, pour permettre même les navires de la Nouvelle-Zélande de garantir la sécurité dans tout le pays. Mais à quelques en kilomètres près du travail, nous nous sentons plus ou moins à l'aise pour entrer dans le bureau. D'accord. Rappelez-nous nous. Déployer policiers dans la zone. Non? Et puis en tout et en tout lieu. Qui vous permettent que l'agent douanier qui entre et fait travail. Rappelez-nous nous en fonction. Moi-même, c'est Emmanuel Noisy, c'est sous-directeur dans la douane. Emmanuel Noisy. Emmanuel Noisy. Noisy. Oui, même là, c'est Noisy. Seigneur. Maintenant-nous là, dans le cadre de conférence de presse, maintenant-nous là, dans le cadre de conférence de presse, pour nous mettre la population au courant de qui et activité nous ont entreprendre dans le jour qui vient là, aussi l'État n'est pas attendu des raisons. Nous disons que la population au courant et nous lançons un message spécialement pour l'agent douanier. Donc, dernier temps, ça nous est l'État pour une forme libre qui c'est forme nous d'accarrer kleptocrate là qui ça nous entend pas kleptocrate là kleptocratie c'est une forme côté que l'État l'empire au niveau l'utiliser fonctionnaire pour faire affaire au détriment des personnels des fonctionnaires qui n'ont pas bas niveau nous avons remarqué dernier temps ça et c'est personnel yo comme si moun ki nan pi ba niveau dans l'état cap victime de un fléau qui se kidnappé donc l'état comme si il pas tenu compte que fonctionnaire c'est lui même qui alors fonctionnaire qui nan pi ba niveau dans l'état c'est lui même c'est eux même qui permettent de traiter avec l'autre secteur dans la vie nationale là donc lui même depuis ça fait affaire il pas de problème avec ça donc nous dit nous même qui nan pi ba niveau dans l'état nous pas ka accepter bagage ça. Dernièrement, il y a un secret broken moon, côté que il a kidnappé 5 agents douaniers au sel pour dans périmètre douane. Ça veut dire dans les locaux douaniers qui t'a supposé sécuriser. Il a kidnappé 5 agents douaniers. Groupe négas amis légal yo, c'est jusqu'à présent nous gars c'est eux-mêmes qui responsable kidnapping yo. Donc yo voyez message ba nous agents douaniers, yo dit nous chaque semaine il a kidnappé un agent douanier. Chose dit chose faite. Yo libéré 4 nans 5 agents douaniers ont été kidnappés yo kembe youn et pendant y a libéré ça ont été kembe yo kidnappé un autre agent douanier. Agent douanier ça c'est Oriol Floréal jusqu'à présent qui nommé et nèg examen illégal. Nan même semaine nous dit bon nous pas regarder ça comme ça n'a fait mouvement pour nous libérer et collègue là. Yo pas attendre nous l'état pas dit rien. Nous et dirigeant nan bureau niveau nan douane nan au lieu yo ta sympathise avec nous pour nous jeune libération collègue là. Au contraire, c'est une question avec exercice sur nous pour nous venir travailler. C'est comme si nous-mêmes, comme si nous ne quittions pas l'État. Ouais. Comme nous-mêmes, nous sommes au niveau de l'État, nous sommes des VIP, nous avons une sécurité qui détache avec eux, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème. Mais nous-mêmes, qui sommes des personnels, qui sommes des employés dans l'État, comme si nous-mêmes, nous l'avons pour contre nous dans l'arrière. Donc, c'est ça qui fait comme si nous n'avons pas décidé, comme si nous étions comme toi, négatif, illégal. Donc, nous venons là pour nous dire, l'État. C'est lui-même qui est responsable. C'est lui-même qui est responsable. C'est lui-même qui mettait nous dans la rue. Parce que sinon, nous sommes cachés dans la caille. C'est lui-même qui engage nous pour nous faire travailler pour lui. Nous venons dire, Jean ça a écrit dans l'article 152 qui est un décret qui régit la loi sur fonction publique. Là, lui doit nous sécurité dans l'exercice de fonction. Donc, s'il n'a pas répondu à ça, eh bien, nous-mêmes, lui va nous doit pour nous camper travailler. C'est ça que nous dit l'État. Nous avons 72 ans. Pour lui prendre responsabilité. Responsabilité, c'est qui ça? Pour lui, je ne sais pas qui je vais faire, pour lui libérer collègue Oriol Floréal. Et mettez sous sa collègue Reginald France, il y a à peine kidnappé là, comme si pour nous jeunes libération. Donc, si l'État va en mesure pour le faire ça, nous-mêmes, nous avons fait travail. L'autre raison pour nous faire travail, c'est que l'État, je nous dis,
s'il pas en mesure pour prendre responsabilité pour répondre à l'article 152 qui dans décret loi sur fonction publique là pour le bas nous sécurité dans travail nous donc il va nous droit pour nous capable travail. Merci. Comment est le patron? C'est Franky François.